9h Morning Footing, bonjour. Une édition assez particulière ce matin, puisque j'ai cru que je me trompais à l'adresse en arrivant. Il n'y avait que des nouveaux. Il y a des gens plutôt surmotivés, sportifs de nature. Un peu déçus de me voir arriver avec mes petits bourrelets. On a compris le message. Donc ce matin, comment t'as fait pour motiver tous ces gens? Parce que vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 nouveaux 6. Aujourd'hui, 6 nouveaux. Comme tu avais un peu look et physique Brad Pitt, c'était très facile de rassembler. Puis, comme sont des sportives dans l'âme, donc ils sont venus sans aucun doute. Bon alors, on a ce matin quelqu'un qui vient de loin. J'ai pas entendu ton prénom tout à l'heure. Kyler. Bon alors, j'ai pas entendu ton prénom tout à l'heure. Kyler. Kyler, avec l'accent s'il vous plaît. Donc Kyler, elle est entraîneuse d'une équipe de foot féminine à Varennes-Vauzelles. Et tu viens tous les matins des États-Unis? Non? Oui, je viens tous les jours. Tous les jours. Bon, en tout cas, merci pour cette participation. On espère donc que tu vas venir tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, c'est ça? Très motivé. Très motivé. Bon, il faudra amener quelques membres de l'équipe. Alors moi, j'ai même pas entendu le prénom, parce que je crois que tu... Aude. Alors Aude, t'as le t-shirt, il n'y a plus qu'à le marquer. Aude. Courir et puis on verra. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour te faire venir ce matin? Je suis la caution de Sébastien, je ne vais pas être les derniers, alors ils m'ont demandé de venir. La caution, ah là là. Dis donc, il y a de la stratégie là, c'est assez énorme quand même. Et Aude, tu fais quoi dans la vie? Moi je suis directrice d'environnement à la ville. D'accord, et donc... Ouais, on jette pas de papier. Vous jetez pas vos papiers de Mars par terre. Hein, parce qu'on a la directrice de l'environnement de la ville. Donc on y va à mollo. Voilà, donc parfait. Et tu comptes revenir souvent, c'est ça? Bah, je vais essayer. Et ben, en tout cas. Bon, ce sera avec plaisir en tout cas. Et n'hésite pas à amener les gens du service. Ils sont accueillis avec plaisir. Bonjour Christophe, on ne le présente plus parce que il court les yeux fermés, il connaît le parcours par cœur. Bon, aujourd'hui, je suis bien fier quand même. Dis un petit mot quand même, que tu souffres comme les autres. Et c'est dur, je suis obligé de marcher. C'est très compliqué de marcher à cette allure, c'est très lent. C'est toute une technique. Voilà. Bonjour, Christophe. J'appelle donc tous les professionnels de la marche athlétique à venir au 9h Morning Footing. Vous verrez, le rythme est un peu lent, mais ça vous ira. Bon, Michel, oui. T'es bientôt en vacances, je crois, c'est bientôt, c'est ça? Ah oui, tout à fait, là. Encore quelques jours et ça y est, quoi, c'est la quille. Une semaine de vacances? Ah, une semaine de vacances. Non. Et je suis à fond là, contrairement à Jean-Christophe. Pour ceux qui ont, disons, qui courraient à 9 km/h, c'est tout à fait bon. Alors, un quatrième nouveau. Ton prénom c'est? Sébastien. Sébastien. Sébastien, tu viens d'où? Alors moi je viens... Je fais partie des papas de la classe de Michel. Donc vu que sur YouTube il a invité tous les papas de sa classe à venir courir et que j'ai Olivier et Jean-Christophe qui m'ont pris de force, alors que je suis là ce matin. Ouais, en fait t'es un peu faillot, c'est parce que dans la dernière vidéo il a dit que les enfants dont les pères venaient pas seraient un peu saqués. Ouais c'est ça. Et jusqu'à le redoublement. Je suis sûr que ma fille elle passe à la classe supérieure, alors je me suis réveillé ce matin pour elle. Bon. Tu peux dormir tranquille, je viens d'en parler avec lui, alors hein, très bien sur... C'est parfait. Merci, merci. Bon, allez voir les vrais sportifs devant. Notre cinquième nouveau ce matin, toujours du groupe de la Rotonde, du quartier de la Rotonde. Non, non. Ah non, pas du tout le groupe de la Rotonde. Surtout pas. Surtout pas. Vas-y, alors présente-toi, ça sera mieux. Voilà, c'est Morgane, un pote de JC aussi. Mais cette fois du sport. Et toi, JC, Morgane, tu fais vraiment du sport, toi? Oui, c'est ce qui se dit. Ouais, ça se voit en fait. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur à SNCF. Bon, vous avez compris les collègues? Avoir un corps de rêve comme ça, on va le filmer de loin. Voilà son secret. Il voulait pas qu'on dise qu'il vienne, il courait avec un masque avant. C'est possible. Bon, et puis on va quand même aller voir
Les deux vieux, quoi. Tout le monde court pas à 50 ans, quand même. Allez. Salut, Jacques. Bon, Gildas, petite pub pour Pixix. Allez, la terrasse est ouverte. La terrasse est ouverte. Pleine de mouches, c'est ça? Non, ça y est, je ça crois est, qu'on c'est a à peu près réussi à éradiquer les moucherons. Et puis, voilà, bah, Cathy vous accueillera avec le sourire. Puis profitez des beaux jours, voilà, pour découvrir la boutique. Aurélie, tu voulais faire une petite demande à EDF? Ah oui, s'il vous plaît. Bonjour, je vous donne mon nom, hein, Veglio. Je n'ai plus d'électricité depuis hier soir, pourtant j'ai payé mes factures. Je ne suis pas coupable. Donc si vous pouvez me rétablir ça vite, parce que mon frigo, là, il va morfler. Merci. Bonjour, je donne son numéro, c'est 06... Non, il sera capable de... 62 43 37, c'est ça. D'accord, ça marche, impeccable. Vous appelez et vous vous invitez à boire le café pour la réparation. A bientôt, on est à Morning Footing. On fait un coucou au Marseille Morning Footing. Et à mercredi.